Le public a bravé la pluie ce samedi matin pour assister au défilé du 14 juillet à Sedan. En présence de monsieur le député des Ardennes, Jean-Luc Warsmann, du maire de Sedan, Didier Millon, l'équipe municipale, ainsi que des sapeurs-pompiers de Sedan, des corps militaires, des anciens combattants, le cortège a démarré place d'Alsace-Lorraine sous une forte pluie pour se terminer place Turenne. Au salon de l'hôtel de ville, monsieur le maire Didier Millon a fait une déclaration que nous allons écouter. Pourquoi ? Alors, comment vous trouvez ce 14 juillet sous la pluie ? Ben, c'est dommage, quoi. Hein ? Oui. Apparemment, à Paris, il pleut pas. Ah, ben donc, on n'a pas de chance, alors. Non, on n'a pas de chance. Et c'est la première fois que vous le... Non, c'est... Vous le pas trouvez... tous les ans, enfin. Vous le trouvez différent ? Non, c'est bien. Si vous avez un email, je vous enverrai le reportage. Encore cet événement, pas seulement parce qu'il s'agit de notre fête nationale. Beaucoup de pays ont aussi, tous les pays ont aussi leur fête nationale, qui correspond parfois à la date de l'indépendance, parfois à un événement historique. Ici, ça n'était pas ça du tout. C'était simplement un changement de régime, qui s'est effectué un peu violemment certes, mais un changement de régime de la monarchie à la République. Certes, il a fallu un peu de temps pour que les choses se mettent en place. Française, notre fête nationale est différente. Vous savez, quand on choisit de cadrer, quand les historiens ont choisi de cadrer les périodes historiques, à chaque fois c'est un grand événement qui a scandé les époques. L'Antiquité jusqu'à la fin de l'Empire romain. Le Moyen-Âge jusqu'à la découverte des Amériques par Christophe Colomb. Et puis il est temps d'ouvrir la période contemporaine. Sur des textes fondateurs pour l'humanité entière, la Déclaration des droits de l'homme ensuite deviendra, vous le savez, universelle en 1948, si ma mémoire est bonne. Et dans ce texte de 1948,
l'article 23 stipule le droit au travail. Et c'est sur cet article 23 que je voudrais aujourd'hui attirer votre attention. Ce droit au travail qui malheureusement n'est plus aujourd'hui le fait de tous ou le fait pour tous. Quand on annonce des milliers de suppressions d'emplois et pas seulement en France, alors ce droit est bafoué. Vous allez me dire, il n'y a sans doute pas de recette miracle. Soit. Mais le système qui broie les hommes et les femmes n'est pas le système qu'il faut à nos sociétés. Je crois que nous sommes à un moment fort, sans doute historique, car nous ne pouvons pas supporter aujourd'hui livrer au chômage sans beaucoup de perspectives d'avenir. Un certain nombre de valeurs, et bien cette valeur, elle doit s'imposer à tous et elle doit faire en sorte que nos efforts convergent pour essayer de modifier les choses fortement. C'est maintenant, je crois, qu'il faut inventer l'avenir. C'est autour de ces valeurs-là qu'il faut faire en sorte que nos concitoyens, tous autant qu'ils sont, puissent faire valoir ce droit au travail. C'est le message que je voulais faire passer aujourd'hui. Car je pense à ceux qui ont peur pour leur travail, je pense à PSA, à Charleville, à toutes nos Ardennes, et je voudrais que ce 14 juillet, nous puissions leur envoyer eh bien, le signe de notre soutien et le signe de notre accompagnement. Il faut absolument que nous battions pour que ces emplois soient préservés et pour que dans ce département qui a tant de qualités, la réindustrialisation est un sens et que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. Bon 14 juillet, vive la France, vive la